jardin s'est aujourd'hui transformé en cimetière. Regardez, oh mon dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a actuellement dans mon jardin 5 tombes imbibées de sang qui font extrêmement flipper. Et on va devoir les ouvrir une par une afin de découvrir quelle est la personne qui est à l'intérieur. Sûrement la personne qui est donc morte. Mais en tout cas, ça fait super peur. Il y a même encore des cercueils et des cercueils. Et on peut même ici voir des ossements humains comme un crâne. Cette vidéo va faire super peur. Et si tu veux pas finir à l'intérieur de cette tombe, tu as dès maintenant le défi de mettre tout de suite un pouce bleu et t'abonner à la chaîne en 5 secondes. 5, 4, 3, et abonne-toi, fais-le hein. C'est parti pour ouvrir une première tombe. Alors franchement, avec toute celle ici, j'hésite un peu avec laquelle commencer. Je propose qu'on fasse les tombes dans cet ordre là, c'est-à-dire on commence par celle qui est tout à gauche. Et regardez, petit truc intéressant, sur cette tombe ici, on peut voir qu'il y a des cheveux qui dépassent et des cheveux roux. Ça rappelle pas un personnage? Quel personnage a les cheveux roux? Il y a Chucky, mais il y a aussi ça le clown. Non, me dites pas que c'est ça le clown quand même. Oh mon dieu, les potes, il y a la tête de ça le clown à l'intérieur de cette tombe. Maintenant qu'on a la tête, comment on peut l'invoquer? Faudrait regarder si dans la tombe il n'y a pas autre chose. Et je crois qu'on a un truc intéressant. Ah, j'ai compris. Ça serait donc avec cette petite potion qu'on va réussir à invoquer ça le clown. On repose la tombe et c'est parti pour goûter la potion de ça le clown. Voyons voir si le clown apparaît. C'est parti. Ok, j'ai bu toute la potion. Oh, attendez, écoutez cette musique de cirque. Ok, super. Oh, oh, non, par contre, là, il y a un truc qui est pas super au fond de mon jardin. C'est qui, lui? Je suis ça, le clown. T'as réussi à m'invoquer, alors? Et ben maintenant, je vais te mettre au défi ce soir. Il y a actuellement plein de ballons dans ta salle de bain et tu dois me retrouver mon bonbon favori. Dépêche-toi. What? Attendez, quoi? Et déjà ça le clown, t'es sûr que tu veux que je te fasse cette mission? Apparemment dans ma salle de bain, il y aurait plein de ballons et je pense que je vais être obligé de le faire, sinon ça le clown va venir sûrement me tuer. Je vais directement aller dans ma salle de bain et retrouver ton bonbon. T'as intérêt parce que sinon, je vais t'attaquer. La salle de bain est juste derrière cette pièce et c'est parti. On va découvrir ce qu'il y a derrière cette pièce. 3, 2, 1, c'est parti. Oh, mais what? Ça le clown rigolait pas du tout quand il disait qu'il y avait plein de ballons. Mais what? Mais comment je vais trouver son bonbon là-dedans? Mais il y a des ballons absolument partout. Mais c'est impossible. On va même regarder les... Mais wesh, il y a des ballons de partout. T'as un défi, c'est de compter le nombre de ballons qu'il y a dans la salle de bain. Oh, regarde, il y en a ici, il y en a là et il y en a partout dans la baignoire. Regardez, mais regardez ça, mais c'est abusé. C'est parti, mission, trouver le bonbon de ça le clown. Et pour ce qui est des ballons, je parie qu'il y en a environ 10 000. Bon, allez, c'est parti, je prends un couteau. Parfait les potes, j'ai mon petit ballon. Bon, on va exploser donc notre premier ballon. Ok, visiblement pas de bonbon à l'intérieur. Bon, on va directement enchaîner avec un deuxième. À première vue, j'ai l'impression qu'il y a... Ok, bon, il n'y avait pas grand chose non plus dans celui-là. On va choisir ce rose-là. J'ai peut-être un petit feeling. Non, mais toujours pas. Il y a un ballon ici qui est un petit peu à l'écart des autres. Peut-être qu'il est là pour une raison particulière. On va le découvrir tout de suite. Non, mais même pas. Peut-être que le bonbon peut être dans une mini-balle. Mais bon, là, il y en a beaucoup trop. Allez, venez avec moi. On va enchaîner et faire très rapidement cette fois-ci. C'est parti. J'en ai explosé au moins 5-6, mais absolument aucun bonbon, venez voir. On regarde un petit peu, mais ouais, je vois pas de bonbon. À la rigueur, il y a une bouteille d'eau, mais pourquoi est-ce qu'il y a une bouteille d'eau là-dedans? Bon, allez, retourne dans la salle de bain, voilà. Allez vite, il faut qu'on trouve notre fameux bonbon. Allez, on continue. Non plus. Oh, il commence à être long là, il en prend du temps. On va enlever toutes les boules, c'est parti. C'est parti. Voilà, mais toujours pas le bonbon. Et j'ai maintenant presque explosé tous les ballons. Mais c'est pas possible. Allez, on va continuer les potes. On va y aller deux par deux. Le ballon bleu, le ballon rose. Toujours pas de bonbon, mais c'est pas possible, j'en peux plus. On a presque fini avec les ballons. J'en peux plus là, vraiment. Allez, c'est parti. Non, visiblement pas. Et toujours pas. Et je suis en train de désespérer et ça le clown, à mon avis, commence à être un petit peu énervé. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Je crois que je vais sûrement devoir le tuer hein, s'il continue comme ça. Bon, j'ai encore deux derniers ballons, je crois, ici là. Et oh, attendez, attendez. Je crois que dans un des deux ballons, on a quelque chose là. C'est bizarre, c'est pas un bonbon ça. Bon, attendez, je vais exploser le bleu. Ok, y a rien. Mais pour celui-là, c'est un peu étrange. Là, on a vraiment quelque chose. Bon, venez voir. C'est parti, on explose.
Regardez, regardez. Venez voir, c'est quoi ça? Les potes, on dirait le bonbon de ça le clown. Je crois qu'on l'a trouvé, les gars. Let's go. Mission carrément réussie. On va aller ramener le bonbon à ça le clown. On l'a enfin trouvé. Il doit être super énervé là en plus. Vite, 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 vite. Là, je commence à en avoir ras-le-bol, dit Twinner. Il va se dépêcher parce que là, je vais foncer à la salle de bain. Je suis très en colère. Ça le clown, ça le clown. C'est bon, j'ai ton bonbon. Pourquoi est-ce que c'est un œil ton bonbon? Oh, merci pour le bonbon, c'est super gentil. Bon, je vais tout de suite le manger. Allez, maintenant je peux y aller. Allez, à plus, merci beaucoup. Allez, on repart directement et on va maintenant faire une nouvelle tombe. Let's go, let's go. La tombe à ça le clown, elle était bien cool, mais maintenant... Allez, on peut dire à plus. Ok, alors là, je pense qu'on la reverra pas de sitôt. Je l'ai écrabouillé. Regardez ça, elle est éclatée. Bon, bref, c'est parti, nouvelle tombe. Voyons voir qui ça peut être. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oh non, mais non. Mais quoi? Chucky. D'ailleurs, je crois qu'on a aussi un autre truc. Il y a aussi la potion de Chucky à l'intérieur. 2 en 1, les potes. Si mes calculs sont exacts, on va invoquer Chucky en buvant cette potion. Oh mon dieu, non, Chucky me fait trop peur. J'espère que son défi va pas être trop horrible. Bon, allez, vas-y, c'est parti. Chucky, je compte sur toi, hein. Let's go, c'est parti. Ah, le goût était très très mauvais. What? Il parle même et tout. Bon, bref, c'est parti. Découvrons qu'est-ce qui s'est passé. Et pour l'instant, pas grand-chose. Quoique, eh, regardez, regardez, le trampoline. Oh, comment ça va? Coucou. J'adore jouer à des jeux. Ça te dit qu'on joue à un jeu ensemble? Attends, j'arrive tout de suite. Vas-y, Chucky. Eh, je suis trop content qu'on fasse un jeu ensemble. J'adore jouer avec toi. Bah, tu sais quoi? Dis-moi, tu veux qu'on joue à quoi? On va jouer à cache-cache. Je te tue. Tu as maintenant une minute pour te cacher. Et après, j'arrive avec un couteau pour te tuer. Si j'arrive pas à te trouver en 5 minutes, tu as gagné. 1, 2, 3. Ok, ok, bon, faut que je me dépêche, faut que je trouve une cachette. Ok, bon, donne-moi un avis de cette cachette. Je me cache derrière ce carton et après Chucky va... Oh ouais, non, mais c'est nul cette cachette. En plus, avec le chronomètre, il me reste tellement pas beaucoup de temps. J'ai même pas une minute là, j'ai 30 secondes. Si je me cache derrière le frigo, genre comme ça, c'est nul, on voit mes pieds dépasser et tout. Pas fou comme cachette. Oh, attendez, je viens d'avoir une idée au-dessus de ma tête. Et si on montait à l'étage? Dans ma chambre, j'ai construit une cabane en Lego. Et si j'allais me cacher à l'intérieur? Vas-y, go, c'est une super idée. En plus, Chucky ne devinera jamais que je suis dans la cabane en Lego. 31, 32, 33, 34. C'est bon, je suis monté à l'étage de ma maison et regardez derrière cette pièce. Ma superbe cabane en Lego. Voilà où je vais me cacher en espérant que Chucky ne me voit pas. Au pire, je bloque l'entrée. Regardez, je vais me mettre là. C'est parti. J'ai bloqué l'entrée avec un carton comme ça, il me voit même pas. 56, 57, 58, 59, 60. J'arrive. Twinner, je vais te tuer. Eh, mets une note sur 10 de comment tu trouves ma cachette. Regardez. Chut. Bon. Oh, les gars, Chucky, elle arrive. Je crois qu'elle a fini de compter. Ok, vite, vite, vite. Chut, chut, chut. Ok, je me suis mis tranquille dans la cabane en Lego. Bon, j'espère qu'elle ne va pas me trouver. C'est bon, c'est l'heure de te chercher, Twinner. Je pense que je vais commencer par regarder la cuisine. Est-ce que dans la cuisine, il y a quelque chose? Elle est en train de chercher dans la cuisine, là. Ok, bon, pour l'instant, ça va. Je suis pas sûr qu'elle va vraiment me trouver. J'ai l'impression qu'il y a absolument rien. Non, il y a juste des petits poissons. Bon, regardons dans la salle de bain. What? Mais c'est quoi ça? Mais il n'y a que des boules dans la salle de bain. Mais il n'est pas du tout là, Twinner. Je me suis trompé d'endroit. Bon, on va chercher un autre endroit. Attendez, je crois que j'entends. Ah oui, elle a regardé vite fait la salle de bain. Elle a dû voir toutes les boules. Et... Oula. Je sens que Twinner est sûrement caché à l'étage. Il y a eu un bruit venant d'une pièce là. Twinner est peut-être caché là-dedans. Là, j'entends monter les escaliers, je crois. Oh 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 oh. Je crois qu'elle a entendu des bruits. Elle vient dans la pièce. Attendez, attendez, venez, regardez ça. Twinner, est-ce que t'es là-dedans? Je le vois pas vers ici. Bon. Chut, Chucky est là,
les gars. Bon, je vous revois dans cette pièce. Moi, je pars d'ici. Allez, à plus. Let's go, les gars. Je crois que j'ai réussi. Chucky m'a pas retrouvé. Yes. On va passer à une prochaine tombe. On enchaîne directement avec une nouvelle tombe. Et regardez, il en reste maintenant plus que 3. Et je sais pas pourquoi, je me dis que cette tombe-là peut être intéressante à regarder. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. 3, 2, 1. Boum. Ok, regardez, c'est qui ça? On l'a tous évidemment reconnu. D'ailleurs, la potion est avec. Ok, on a actuellement la poupée vaudou d'Oogie Woogie. Mais incroyable. Et donc, logiquement, cette potion va invoquer Oogie Woogie dans ma maison, peut-être même dans mon jardin. Bon, bref, c'est parti. Ah! Ok, j'ai bu toute la potion. C'est parti, je crois que Oogie Woogie devrait peut-être pas tarder à arriver. Oh, attendez, je crois l'entendre arriver, les potes. Let's go! Oogie Woogie, ça marche! On va rentrer à la maison et essayer de voir est-ce que Oogie Woogie est dans la maison, oui ou non. Venez. La 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 la. Oh, j'arrive pas à choisir un bon film d'horreur. Je vais me faire peur. Oh, Twitter, tu es là, coucou. Je cherche à me faire peur et j'ai envie de te donner un défi aujourd'hui. C'est de te déguiser et que t'arrives à me faire peur. Tu pourrais le faire? Eh, hey, mais Oogie Woogie, ça pourrait être une super bonne idée. En plus, on est en pleine période d'Halloween. Si je me déguise, tu sais quoi, tu me notes sur 10. Et d'ailleurs, vous aussi les abonnés, vous allez noter mon déguisement. Bah Oogie Woogie, j'accepte ton défi et c'est parti, je vais me déguiser. Super, Twinner. Et j'espère que tu vas bien me déguiser. Bon, allez, dépêche-toi, je te donne 5 minutes. Ça tombe bien, puisque pour Halloween, j'avais 2 déguisements différents. Alors, j'ai celui de Freddy, le méchant animatronique et tout. D'ailleurs, Oogie Woogie qui a été inspiré de ce jeu vidéo. Ou sinon, j'ai carrément un déguisement de bébé. Ouais, mais ça fait pas peur, non? Je pense pas que ce déguisement soit une si bonne idée. C'est pour ça, on part sur le déguisement de Freddy. Et tu vas voir que j'en suis sûr, il va faire peur à Oogie Woogie. A ton avis, est-ce que je vais faire peur à Oogie Woogie avec ce déguisement? C'est bien ce qu'on va voir. Allez, let's go. J'ai ici le pull de Freddy, d'ailleurs, il a l'air d'être vraiment sympa. On va directement le mettre. Alors déjà, je trouve que c'est pas mal du tout. J'aime bien le petit délire et tout, je sais pas ce que t'en penses. Mais maintenant, place au plus important. Et... boum! Voilà! Maintenant, je pense faire officiellement peur à Oogie Woogie avec mon nouveau déguisement d'animatronique. Allez, on va directement voir Oogie Woogie. Hey, Oogie Woogie! Est-ce que mon déguisement fait peur? Dis-moi! Ah! Non! Avec le déguisement de Freddy. Bon, pour la peine, ça mérite une petite danse. Let's go. Boum. Il nous reste 2 petites tombes. On enchaîne directement. J'ai hâte de découvrir qu'est-ce qu'il va y avoir. Et il nous reste maintenant plus que 2 tombes. Bon, laquelle je vais choisir? On va prendre la plus ensanglantée. Et en vrai, entre les deux, je pense que c'est celle-là qui est la plus ensanglantée. C'est pour ça, je vais la choisir. Voyons voir. Oh non, 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 pas elle. Non, mais quoi? Je crois que c'est carrément Annabelle. Non, par contre, cette poupée me fait trop peur. J'espère vraiment qu'elle va pas arriver. Bon, du coup, on la sort de sa boîte. Quoique non, avant, il faudrait peut-être que je goûte la potion. Ouais, regardez. C'est une potion aux bonbons cette fois-ci. On va goûter ça. Ah, c'est pas super bon. C'est un petit peu les potions qu'on met dans les gâteaux et tout. C'est pas bon de ouf. Bon, bref. J'ai maintenant la poupée Annabelle entre mes mains. Et qu'est-ce que je suis censé en faire? Elle fait très peur. Est-ce que Annabelle a été invoquée? On va regarder un peu autour. J'ai l'impression qu'il n'y a pas Annabelle ou quoi. En même temps, c'était une potion en bonbon. Comment ça aurait pu marcher? Malheureusement, la poupée n'a peut-être pas marché, mais c'est pas grave. On va la détruire et peut-être que ça va invoquer Annabelle. Venez, venez. C'est parti, les gars. Oh, oh, what? Regardez, je viens clairement d'enlever la tête d'Annabelle, mais quoi? Oh là là, mais c'est incroyable! Bon là les potes, c'est clairement mission réussie, mais j'en ai pas fini avec elle, on va continuer. Passons maintenant à son corps, c'est parti! Boum! 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 Voilà ce qui restera d'Annabelle, uniquement des petites miettes. Bref, c'est l'heure de la dernière tombe, j'ai tellement hâte! On l'attendait depuis le début de la vidéo et ok, on va l'ouvrir, mais juste avant que je l'ouvre, tu dois tout de suite t'abonner à la chaîne. Allez, c'est parti! Non, Sonic? Mais j'ai l'impression que c'est pas n'importe quel Sonic, parce que c'est un Sonic un peu horreur. Peut-être qu'il y a la potion à l'intérieur, en effet. Waouh! Si tu veux que j'invoque Sonic Horreur dans une prochaine vidéo, mets tout de suite un pouce bleu et tu as dès maintenant 2 nouvelles vidéos et une d'ailleurs où j'ai construit ma maison en Lego juste là. Et franchement, clique, elle est incroyable.